Bonjour les amis, on va ouvrir le Bigode Hero High Speed. Allez, on commence. Alors les gens, ils ouvrent d'en bas, alors on va le faire de là. Regardez-moi ça, pad. La pompe. Voilà. Alors, 3 ampères. Joli. C'est en mode transport. Faut appuyer sur le bouton, l'allumer, appuyer 5 fois. L'éteindre, rallumer, et puis voilà. Allez hop. Alors, les amis, voilà, Bigode Hero. On va baisser un peu la petite caméra qu'on voit bien, voilà. Alors, je vais vous montrer qu'il y en a un petit tips. C'est que il y en a qui se cassent la tête ou alors qui se tuent à pomper comme des malades. Quand je peux vous montrer quelque chose encore de plus facile. Alors regardez bien, regardez, bon là, elle est assise, elle est sur son petit, enfin bref. Donc j'enlève la valve là, le petit bouchon, donc la pompe qui vient avec, il y a deux niveaux donc. En premier, vous mettez le premier niveau là, comme ça, et après vous mettez le deuxième. Et pour l'enlever, vous l'enlevez le noir et après vous enlevez le côté or. Donc là, on met l'or en premier. Premier niveau. On serre. Et on met le deuxième, le noir. Paf. Voilà. Là, ça me dit. Ah, je suis à peu près à 130. On va mettre un peu plus. Alors regardez ce que j'ai fait là. J'ai mis ça par terre. Je mets la pompe par terre comme ça. Et je pompe. Paf. Boum. Je suis à 150. Juste comme ça. Parce que quand on essaye de faire la main comme ça avec les deux mains, c'est de là. Il y a tellement de pression que ça bouge, ça bouge. Que là, sur le par terre quoi. On appuie. Hop. On met comme il faut. Et ça monte à une vitesse pas possible. Après ça, bon là je mets 150 PSI. PSI. J'enlève le noir en premier. Donc là. Et puis j'enlève le doré. Paf. Voilà. Je mets le bouchon. Voilà, voilà, voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Aussi, je mets à peu près... je sais pas combien c'est en millilitres. Mais 6 ounces. Donc je mettrai en bas en millilitres. Ça, parce que si jamais il y a un petit trou ou quoi dans la chambre à air, ben bon, ça se répare tout seul quoi. Voilà, en France, je sais pas ce qu'on a, mais bon, moi c'est ce que j'ai. Maintenant, alors il y a deux choses que j'ai trouvées, il y avait un problème.
voyez ici, ce qu'on a là, les trucs dorés, c'est les spikes. Des petites, comme des clous, quoi. Qui s'enlèvent, qui se remet. Ce côté, apparemment, ils ont oublié. Donc j'ai appelé la compagnie. Ils vont m'envoyer. Pas de problème. J'en ai trouvé sur Amazon, 15$. J'en ai acheté. Comme ça, j'en aurai en plus. Le deuxième problème que j'ai trouvé, par contre, ça, quand je l'allume, hop là, normalement, il y a une lumière, la LED, autour, qui est pendant la journée, qui reste allumée tout le temps. Ça ne s'allume pas. Bon, alors j'ai contacté aussi la compagnie. Ils vont m'envoyer, ils vont voir avec Bigod. Et puis ils vont m'envoyer une nouvelle lumière à changer. Pas de problème. Ça, je peux le faire. Alors regardez bien, la suspension à 150 PSI. Alors ce qu'on a. Hop là. Je vais baisser ça. Voilà. Hop là. Bon, je fais 190 libs. Alors, je mets en kilogrammes en bas, ce que ça fait. Oh, c'est quand même pas mal. Mais écoutez, le bruit, rien. Mais elle est souple. Elle est souple. Incroyable. Un autre truc que j'aime beaucoup, par contre, c'est que quand on met là, il y a le moteur qui le retient, la roue. Vous voyez, par exemple, quand je fais ça sur la Charman, ça tombe. Que là, il y a une tension qui est sympa. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, je l'ai lâché. Vous voyez, donc, il y a une tension du moteur. Et là, alors par exemple, 5. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a 5 sonneries et ça embête les gens. Alors je vais vous dire pourquoi. Regardez, moi quand je vais l'asseoir, bon, je l'éteins et j'assois. Voilà. Je vois vraiment pas l'intérêt de la laisser allumer parce que généralement quand vous les mettez dans cette position, c'est que vous allez manger un morceau ou alors vous reposer ou quoi que ce soit. Je ne vais pas la laisser allumer. Donc, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, regardez la finition quand même. Il faut avouer que la roue, vraiment, elle est quelque chose de bien. Transparent ici, on voit le câble derrière. De l'autre côté, aussi. Mais vraiment... Je peux rien dire quoi. Vraiment la suspension moi je viens de la S18, mais bon, on va pas en dire plus hein. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vous abonner, faites sonner la petite clochette et on va voir la revue de la Bigod Hero. Je vous donnerai plus de détails et dans 2 jours, je reçois la Charman Max. Donc il y aura encore une autre vidéo de l'ouverture du paquet. Et pour ça, les amis, inscrivez-vous. Eh ben, à la prochaine. Allez, ciao, ciao, bisous.